D'accord, on continue le cours. Je vais partager l'écran, s'il vous plaît. Vous patientez un petit moment. Voilà. Bon, vous voyez l'écran, je crois? C'est visible? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je reviens. Donc, j'ai donné une troisième expression du bar graphe et on a démontré ça. C'est gamma de H égale sigma carré moins covariance ou bien CH. Donc, ici, c'est une représentation graphique entre, ou bien qui représente le lien entre le bar graphe et la covariance. Ce que vous voyez ici en noir, c'est le schéma bar graphe. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est le schéma covariance. Le bar graphe et la covariance, ce sont deux paramètres en géostat qui marchent ensemble. On doit les utiliser ensemble. Alors que la variance aussi, elle représente le changement pour le bar graphe et la covariance. Vous voyez ici, quand les distances augmentent en même temps, on va analyser le graphe, ou bien les deux graphes en même temps. En sachant qu'en noir, c'est le bar graphe, en bleu, c'est la covariance. Donc, plus les distances augmentent, vous avez des mesures du bar graphe qui croient. Et en même temps, vous avez des mesures de covariance qui diminuent. Jusqu'à arriver à une distance H, on a nommé ça la portée, si vous vous rappelez, la présentation schématique, jusqu'à l'arrivée à une distance H, appelée la portée A, il y a alors une stabilité du bar graphe, c'est-à-dire un autre comportement du bar graphe, il y a alors une covariance nulle. Une covariance nulle. Donc alors, l'idée, je reviens toujours à l'idée de la stationnarité que j'ai déjà citée au premier lieu du cours. Plus les distances H augmentent, vous avez une faible corrélation, bien un faible lien entre les mesures, voire nul, ce qui est représenté ici. C'est-à-dire, plus les distances entre les valeurs kbira sont vraiment énormes, vous risquez d'avoir une représentation d'une autre zone. Malgré la variable, elle est la même. Mais vous pouvez avoir une information sur une autre zone qui est hors la zone du travail. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut choisir toujours un pas H petit pour le calcul du bar graphe. Je répète, vous avez ici les deux graphes en même temps, bar graphe et covariance. Plus les distances H augmentent, vous avez un bar graphe qui croît et vous avez une covariance qui décroît jusqu'à l'arrivée à un point qui représente la portée, jusqu'à l'arrivée à une distance appelée la portée. Vous avez un bar graphe qui est presque stable, c'est-à-dire un autre comportement du bar graphe, c'est-à-dire le lien entre les mesures devient faible. Et ce lien qui représente alors un lien faible, la covariance faible, et voire nul carrément, c'est-à-dire il n'y a pas de lien, parfois il n'y a pas de lien carrément. Le lien, il commence à diminuer jusqu'à ce que vous n'avez aucun lien entre les mesures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez dépassé la zone du travail, c'est-à-dire que vous avez dépassé les dimensions de la zone du travail. Alors, un résumé de termes variogramme et covariance. Donc, ça, c'est un tableau également qui représente les paramètres du variogramme et la covariance. Pour le variogramme, vous avez une moyenne constante. Également, pour la covariance, elle est constante et connue. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a commencé par l'hypothèse de stationnarité. Nous avons bien dit qu'il faut vérifier que les deux moments d'ordre 1, la moyenne et la covariance, qui sont des moments, ou bien la variance, qui sont des paramètres, des valeurs qui ne changent pas par changement de distance. La variance, pour le bar graphe, elle doit exister, et ça, on a appelé ça le palier, on a expliqué ça. Et pour la covariance, elle représente alors la valeur H égale à 0. Elle doit exister, donc la covariance, elle doit exister. Donc, si vous avez un changement, donc vous avez alors une autre variation. Pour le pas H, pour le bar graphe, si le pas H augmente, si le pas H augmente, vous avez, en tout cas, il y a toujours une augmentation, une croissance du bar graphe. Si le pas H augmente, les valeurs du bar graphe diminuent ou bien augmentent jusqu'à une distance, là où il y a une diminution, ou bien plutôt une stabilité du comportement du bar graphe. Pour la distance H, pour la covariance, ce sont des distances qui décroissent, c'est-à-dire des termes qui représentent le lien. Si je prends la distance H, je résume ici pour H, plus les distances H augmentent, vous avez une covariance qui décroît. Et vous avez un bar graphe qui croît, qui est expliqué ici pour le graphe. Plus les distances H augmentent, vous avez un bar graphe qui croît et vous avez une covariance qui décroît. Mais jusqu'à un point, juste un point là où il y a une diminution
parfaite jusqu'à une valeur nulle de la covariance, c'est-à-dire de lien, qui est représentée par un autre comportement du paragramme. Et ça, c'est ce qui résume l'hypothèse de stationarité aussi. Pardon, nous avons bien dit qu'il faut choisir un pas H petit pour garder le lien entre les mesures. Pardon. Est-ce que c'est clair? Pardon? Est-ce que c'est clair pour la troisième expression du paragraphe? Donc, à présent, vous avez trois expressions du paragraphe. Donc, celle-là, c'est la première en fonction de la variance. Celle-là, c'est la deuxième en fonction de l'espérance, en n'oublions pas le carré. Et la troisième que j'ai donnée tout à l'heure, gamma de H égale sigma carré moins CH, sigma carré c'est la variance, c'est H c'est la covariance. Et on a expliqué le lien entre le paragraphe et la covariance. Est-ce que ça va? Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe à une autre définition du paragramme, le paragramme expérimental généralisé. Paragramme expérimental généralisé, je vous propose. Non. Est-ce que vous êtes là? D'accord. Un variogramme expérimental. C'est quoi un variogramme expérimental? C'est un variogramme que vous devez calculer. Donc, on a commencé la notion du variogramme par la notion la plus simple, c'est-à-dire il suffit d'avoir deux points avec deux valeurs de la variable à une distance h et vous pouvez calculer le variogramme. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Si vous prenez des projets réels, des études réelles, des travaux réels, ce n'est pas le cas. Donc, jamais vous trouvez de mesure pour la variable. Vous pouvez avoir des centaines de données, des cinquantaines de données, des milliers de données parfois. Bref, vous avez beaucoup de données. Ces données, certes, vous connaissez la répartition sur terrain, vous connaissez les coordonnées. Il faut calculer donc ce qu'on appelle un variogramme expérimental. Donc, pour calculer ce variogramme, il faut respecter des conditions. Les conditions sont, premièrement, il faut bien noter ça, ça n'existe pas au niveau du cours, ça vous aide dans votre projet. Première condition, la variable régionalisée, elle doit être accompagnée par des coordonnées, x, y ou bien x, y, z. Deuxième condition, il faut choisir un pas H petit entre les mesures. C'est-à-dire quoi par H petit? Par rapport à quoi? Par rapport à la dimension de la zone du travail. Par exemple, si je prends, je ne sais pas, en géotechnique, une cité d'habitation, c'est une superficie de, je ne sais pas, 1 km sur 1 km. Donc, je dois utiliser, ou bien je dois utiliser la géostat et je calcule le variogramme pour une variable quelconque au niveau de ce site, par exemple la teneur en eau. En variable régionalisée en géotechnique. Je prends la teneur en eau, je calcule son variogramme et bien sûr, la teneur en eau, ce sont des échantillons prélevés du terrain, c'est des points, c'est des points qui sont espacés et je dois choisir un pas H qui ne doit pas dépasser un kilomètre, c'est-à-dire je ne dois pas dépasser la superficie de la zone du travail. Juste un exemple d'ordre général pour faire passer juste l'idée, c'est-à-dire si vous allez choisir le pas H, la distance H, essayez de choisir des distances à l'intérieur de la zone du travail. Donc, par exemple, en hydrogéologie, si vous êtes censé à déterminer le degré de la pollution de la nappe, vous êtes obligé de sortir sur terrain, de prendre des échantillons de la nappe. Alors, prendre des échantillons de la nappe, c'est la variable. Donc, par exemple, je ne sais pas, la concentration de Na. La concentration de Na, c'est la variable. Alors, vous prenez des échantillons sur terrain, donc automatiquement, c'est des mesures. Donc, chaque point, vous avez l'endroit où vous avez pris cet échantillon, c'est-à-dire vous avez des coordonnées, x, y, z, et vous avez la valeur. Maintenant, si vous utilisez la géostat pour structurer cette concentration
d'un élément chimique NA pour déterminer la pollution de la nappe et une carte de zonation de la pollution de la nappe, par exemple, vous êtes obligé de choisir un pH petit pour calculer le wargramme de NA, exemple. Vous utilisez toujours un pH petit par rapport à quoi? Par rapport aux dimensions de la nappe. Vous connaissez la profondeur de la nappe. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est la deuxième condition. Première condition, il faut avoir une variable avec des mesures. Deuxième condition, il faut avoir un pH petit. La troisième condition pour calculer le wargramme expérimental, c'est le nombre de données. Le nombre de données, il doit automatiquement et obligatoirement, en géostat, ça c'est clair, obligatoirement, il doit dépasser 30 mesures. Mais pour vous, j'ai soulagé un petit peu la chose pour le projet. J'accepte à partir de 20 mesures, j'accepte. 20 mesures, pas de souci. Si vous avez 20 mesures, vous pouvez utiliser, tourner ça comme remarque au début du cours, dès maintenant, essayez de chercher une variable quelconque en géologie. Je n'exige pas la spécialité, n'importe quelle variable que vous avez trouvée, mais le nombre des mesures, il doit dépasser 20 et 30. D'accord? Plutôt, il faut avoir un nombre de données N qui doit être supérieur à 30 valeurs. Ça, c'est une obligation en géostat. Pour vous, Malich, en projet, j'ai demandé 20 et plus. Quatrième condition, c'est la direction. La direction de calcul du wargramme. Bien sûr, si vous avez une répartition en plan des données, et c'est une répartition qui n'est pas régulière, essayez de choisir la direction là où il y a plus de données. C'est-à-dire quoi? Parfois, quand vous prenez un plan de représentation des données, il y a un endroit là où il y a beaucoup plus de données par rapport à un autre endroit. C'est-à-dire qu'il y a une concentration qui est là par rapport à une autre région, bien une autre direction. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir toujours la direction là où il y a plus de données. Par exemple, il y a 10 mesures fait le côté est, ou il y a 2 mesures ou une mesure côté ouest. Quelle direction tu vas choisir pour calculer le wargramme? Bien sûr, et logiquement, il faut choisir la direction là où il y a plus de données, là où il y a plus d'informations. Maintenant, si vous avez des données qui sont réparties d'une manière régulière, c'est-à-dire la répartition, elle est uniforme. Les données, 20 mesures par exemple, sont réparties. Vous prenez toute la direction, bien un wargramme omnidirectionnel, c'est-à-dire on prend le tout à la fois. Donc, bref, la dernière condition pour calculer un wargramme expérimental, c'est le choix de la direction. C'est-à-dire quoi le choix de la direction? C'est-à-dire si vous avez une répartition irrégulière des données, il faut toujours choisir la direction là où il y a plus de données, là où il y a plus d'informations, plus de données. Maintenant, je vous propose cette expression, c'est la même chose. Ce que vous voyez ici, ici j'ai oublié juste l'espérance. Essayez de déterminer ici espérance, c'est-à-dire la moyenne, ça. Donc, la deuxième expression. Donc, c'est, toujours on revient à la définition mathématique du wargramme, c'est l'n demi espérance zx moins zx plus h au carré. Ce qui est en plus ici, je représente en plus ici, c'est 1 sur 2n. N, c'est quoi? C'est le nombre des couples ou bien des coordonnées que j'ai utilisées. Le nombre de points, si vous voulez, ou bien le nombre de coordonnées que j'ai utilisées. Donc, le nombre de coordonnées, le nombre de couples que j'ai utilisées pour calculer le wargramme, parce que ça nécessite au moins deux mesures. Et sinon, l'expression, c'est la même. Zx moins Zx plus H, Zx au carré. Zx, c'est quoi? C'est la valeur au point I, mais la première valeur. Zx plus H, c'est la deuxième valeur au carré. Bien sûr, ici, la moyenne, si vous avez un ensemble donné par l'espérance, si vous avez un ensemble de variogrammes. Je reviens à cet exemple, on a donné ça la dernière fois. Et je vous demande de déterminer le variogramme expérimental. Par exemple, je prends le deuxième exemple, celui-là, vous avez une variable. Ça ici, c'est un variogramme d'ordre général. Donc, il faut séparer.
La première représentation. Donc, la question, c'est quoi? Vous pouvez noter. Calculer le programme expérimental théorique. Donc, ici, on doit choisir un pas H égale à un pas, par exemple. Un pas, ça sera 1 moins 3, 3 moins 2, bien sûr, carré. 1 moins 3, carré. 3 moins 2, carré. 2 moins 3, carré. Bien sûr, 3 moins 1, carré. 1 moins 2, carré. Et 2 moins 4, carré. Tout ça, ce sont des paragraphes possibles que je calcule à partir d'un pas. H égale à un pas. Maintenant, le N, c'est quoi? Combien de couples j'ai utilisé? J'ai utilisé 1, donc 1, 3, c'est un couple. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, N ici, N, c'est 6. N, c'est 6. Et je remplace. Je remplace le nombre de couples que j'ai. Par exemple, je change le pas H. Je prends le pas H égal à 2 pas. 2 pas, c'est-à-dire entre la moitié du premier carré et la moitié du deuxième carré. Donc, 2 pas, ça sera 1 et, donc ça c'est 1 pas, et ça c'est deuxième pas. Donc, entre 1 et 2, la valeur 1 et 2, ce sont les deux valeurs à partir desquelles je calcule le paragraphe. Ça c'est zx, et la deuxième valeur c'est zx plus h. Donc, 1 moins 2 carré, 2 moins 1 carré, 1 moins 4 carré, 3 moins 2 carré et 3 moins 3 carré. Ce sont les cas possibles que j'ai. Ensuite, je dois, bien sûr avec la moyenne, je dois mentionner le nombre de couples, c'est-à-dire le nombre des coordonnées, des valeurs que j'ai utilisées. Donc ça c'est 1, ensuite 2, 3, 4 et 5. Donc le grand N ici c'est 5, je remplace ici c'est 5. Donc, en fait, pour vous dire, donc c'est un exemple pour vous dire que quand vous avez affaire à un nombre indéterminé ou bien un nombre bien énorme des données, vous êtes obligé de faire entrer le nombre de couples que vous avez utilisé. Deuxième exercice ou bien deuxième exemple que je vous cite. Et si vous avez déjà le paragraphe, il est calculé, le nombre... Je vous demande ici, ou bien dans cet exercice, également pour la deuxième présentation, deuxième tableau. La question, c'est quoi? C'est présenter le nuage de points. En fait, présenter gamma de H en fonction de H. La réponse, elle est ici. Donc, c'est déjà fait. Donc, ici, vous placez les distances H. Bien sûr, voilà ici les distances H. Vous pouvez choisir une forme d'échelle sur un papier millimétrique. Et vous placez ici les valeurs de gamma de H. Et à chaque fois, vous cherchez le point. Donc, chaque point représente gamma de H et H. Gamma de H et H. Vous aurez alors un nuage de points. Vous avez le premier nuage, le deuxième nuage. Qu'est-ce qu'il faut? Vous prenez le crayon. Ici, ce n'est pas fait au niveau du diapo. Vous prenez le crayon sur un papier millimétrique et vous essayez de passer entre les points. Juste entre les points. Il ne faut pas relier les points. Jamais. On ne relie jamais les points. On passe entre les points. Donc, les DA, c'est passé comme ça. Donc, entre ce point et point, je dois pas négliger. Donc, je dois passer de cette façon. Ici, c'est la deuxième présentation du deuxième tableau, celui-là. Donc, la présentation du paragraphe, elle est ici. Ici, c'est les valeurs de H. Ici, c'est les valeurs de gamma de H. Le nuage de points, il est de cette forme. Toujours avec un crayon, je prends le crayon et je passe entre les points, à côté des points. Et j'ai alors j'ai alors la forme du paragraphe. Ici, vous pouvez commencer par l'intersection du graphe par l'axe des gamma de H. Ici, vous pouvez commencer par l'origine, parce que le premier point de départ, il est très proche de l'origine. Donc, ici, vous avez H, en tout cas, ce n'est pas mentionné au niveau de l'exercice. Avec quand H égale à 0, normalement, gamma de H égale à 0, mais ça n'existe pas ici. Donc, ici, vous pouvez également commencer par l'intersection du graphe avec le graphe par graphe avec l'axe des gamma de H. Donc, ce sont alors deux exemples pour représenter ou bien pour calculer la manière, pour donner la manière de calculer du paragraphe et la présentation d'un nuage de points. Je répète comme remarque, quand vous présentez le nuage de points, il ne faut jamais relier les points, il faut passer entre les points, à côté des points, et il ne faut pas être vraiment loin des nuages. Et ce modèle est appelé un modèle visuel, ou bien un modèle paragraphe théorique expérimental.
Ça, alors, c'est des exemples d'évagramme. Donc, ici, c'est une représentation d'évagramme en surface. On ne va pas l'entamer pour vous. Donc, ici, c'est des exemples d'évagramme calculés dans des directions différentes. Donc, la variable, c'est la même variable. Et seulement, l'évagramme, il est calculé dans des directions différentes. La majorité, ou bien la plupart, des directions choisies pour en géostat, c'est la direction 0, la direction 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés. Par rapport à quoi? Par rapport au nord. Vous avez une carte, il y a des données au niveau de cette carte. Donc, 45 degrés par rapport à quoi? Par rapport au nord. Donc, les directions qui sont vraiment utilisées en géostat, c'est la direction 0, la direction 45, la direction 90, la direction 135. À présent, vous pouvez poser la question, pourquoi ces directions-là. Donc, parfois, on ne peut pas choisir la bonne direction. C'est-à-dire, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai bien dit que pour calculer le programme expérimental théorique, vous êtes obligé de choisir beaucoup de paramètres, entre autres la direction. Et j'ai dit, il faut choisir toujours la direction là où il y a plus d'informations. Mais parfois, malgré que vous voyez qu'il y a plus d'informations, parfois, vous risquez d'avoir, si vous voulez, des contraintes pour le choix de direction. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer plusieurs directions. Donc, il y a les directions les plus utilisées en géostatistique. C'est 0, 45 degrés, 90 degrés et 135 degrés. Et je cite ici, comme la géostat nécessite la programmation et l'utilisation d'outils informatiques, ces directions-là sont vraiment faciles et très, très utilisées d'une manière simple quand on utilise un programme en géostat. J'utilise un programme, j'utilise bien le logiciel et je change à chaque fois la direction et j'aurai le résultat du programme. Et comment je peux choisir c'est quoi le programme idéal ou bien le programme juste? C'est quand j'ai un effet de pépite faible. Ça, c'est la raison à partir de laquelle je calcule ces programmes en fonction des directions. Donc, c'est-à-dire comme si je vais faire des tests. Je vais faire des choix des programmes en fonction des directions et en fonction, ou bien j'allais dire que le choix du programme est en fonction de l'effet de pépite. Plus le programme calculé et représenté suivant une direction présente un effet de pépite faible, c'est un programme que je peux utiliser. Donc ça alors, juste une représentation schématique pour vous dire que le programme en géostat est calculé généralement dans plusieurs directions et les directions les plus utilisées dans les projets, c'est 0, 45, 90 et 135. Maintenant, je vous propose cet exemple, exercice. Donc c'est un exemple exercice. Donc le tableau suivant montre, c'est un exemple d'exercice en géologie minière. Mais l'idée reste la même, soit en géologie minière ou bien en hydrogéologie, en géothèque. Donc l'idée, c'est la même. Donc, comment je représente le programme pour n'importe quelle variable. Ici, j'ai donné comme un exemple dans cette partie-là, c'est un exemple des teneurs du zinc en ppm. Donc le tableau suivant montre les résultats de calcul des programmes expérimentaux. Donc les programmes ont été déjà calculés, vous n'êtes pas obligé de calculer les programmes, avec des distances qui ont été déjà choisies. Donc, le tableau suivant montre les résultats de calcul des programmes expérimentaux de la teneur du zinc en ppm dans un bloc de gisement de 500 par 500 par 500. Déjà, la dimension, elle est précise ici. Donc, vous avez un bloc, la largeur, l'épaisseur et la profondeur, c'est 500 mètres par 500 mètres par 500 mètres, un volume de 500 par 500 par 500 mètres. Donc, la première question, c'est présenter le nuage de points. Vous avez gamma de H, vous avez H sur un papier millimétré, et vous essayez de choisir une forme d'échelle et vous présentez le nuage de points. Et quels sont les éléments de ce programme? Vous pouvez, à partir de ce graphe, vous pouvez, à partir de mon modèle visuel, vous pouvez déjà déterminer les éléments du programme, lesquels? C0, C et A. L'effet de pépite, la portée et le palier. Donc, vous pouvez juste au moins faire cette partie-là d'exercice. Vous pouvez au moins chercher cette partie. Donc, les autres parties, on n'a pas encore entamé. Le
Mais quand même, vous pouvez déjà commencer l'exercice et vous pouvez, vous aurez un image de points. Vous prenez le crayon, vous passez entre les points, à côté des points, et vous aurez alors un modèle appelé modèle visuel. À partir de ce modèle, vous pouvez répondre à la deuxième question. Quels sont les éléments de ce bar graph? Les éléments sont toujours un effet de pépite, un palier et une portée. Ici, déjà, je vois l'effet de pépite où est-ce qu'il est. On a bien dit que quand H égale à 0, gamma de H doit être égal à 0. Malgré H égale à 0, j'ai une valeur de gamma de H égale à 20. Donc ici, avant même de tracer le schéma, j'ai une idée sur l'effet de pépite, égale à 20 ppm. Donc ici, égale à 20 ppm. Ensuite, je mentionne ici, vous avez ici 300 mètres, vous avez 59, donc ici, c'est à partir de là, donc en tout cas, ce n'est pas bien visible au niveau du tableau. Quand vous tracez le graphe, vous pouvez avoir presque une stabilité de schéma, là où il y a un palier, donc la projection de ce palier vous donne le pas H, le pas H. Donc, essayez d'abord de représenter le nuage de points, et de tirer et de chercher les éléments, un effet de pépite, un palier et une portée, et de donner, si vous voulez, les valeurs de ces éléments. Est-ce que ça va? Vous pouvez juste donner la réponse de ces deux questions. Les autres, on n'a pas encore entamé la partie du cours, donc on essaye d'avancer un petit peu pour pouvoir répondre aux autres. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Il n'y a pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, j'arrête pour aujourd'hui. Donc, on garde toujours la science le mercredi à 17h. S'il vous plaît, essayez de partager le maximum de cours avec l'ensemble des spécialités. Donc, je le dis, je le redis, je programme trois cours. Vous avez le premier cours, c'est le lundi avec géothèque, marine et tecto. Deuxième cours, c'est le mardi, le premier cours, le dimanche vers 19h. Deuxième cours, c'est plutôt le lundi vers 19h. Deuxième cours, c'est le mardi vers 18h avec bassin et pétro. Et troisième cours, c'est avec vous, le mercredi vers 17h, marine et hydrogéologie. Donc, puisque c'est le même cours pour tout le monde, essayez de partager l'enregistrement et les documents avec les autres. Également, les gens qui ne peuvent pas assister le jour de la programmation avec la spécialité, peuvent assister avec les autres, il n'y a pas de souci parce que c'est le même cours. Est-ce que ça va? Ok, pas de questions? Non, madame, pour moi, pas rien. D'accord, mais je fais juste la remarque, je vois que le nombre de participants ici, le nombre de présents, il y a 12. Il y a 12 étudiants, donc je ne sais pas, donc peut-être c'est la période des examens, peut-être, rattrapage. Peut-être, c'est possible. Ou la balle qui connaît, mais elle m'a trouvé sur le dard. Ah, d'accord. En tout cas, je compte sur toi, Farah. Essaye de partager le maximum le cours avec tout le monde, avec l'ensemble des spécialités. D'accord, pas de souci. Merci. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Donc, la semaine prochaine. D'accord, bonsoir. Merci et bonne soirée. Merci, à vous également. Allez, au revoir.